Good morgen, allez Yiden, les sujets aujourd'hui le Lunishmat Avram Mordechai ben Israël, Vefani Dvora bat Esther, Maurice Moshe ben Sultana et Moshe Michael ben Bachla Rachel. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions mes secrétaires en vote. Perek Tetzain Mishnah Gemel, En Meidin Ela Al Partsouf Panim Im Achotem. Af Alpi Sheyesh Semanim Begoufo ou Bekelav. En Meidin Ela Al Jetezain Avcho. Vafilou Raouhou Megouyad Vetsalouv Vachaya Ochelet Bo. En Meidin Ela Ad Shalosha Yamim, Rabbi Yuda Ben Bava Omer, Lokal Adam, Velokal Amakom, Velokal Ashot, on s'adresse dans notre Mishnah à savoir à partir de quand peut-on déclarer qu'une personne est réellement morte pour pouvoir témoigner qu'elle est morte. Bien évidemment, si on sait qu'elle a pris une balle dans la tête et qu'on reconnaît son corps entièrement, alors il n'y a pas de problème, on sait que c'est lui qui est mort. Mais il y a toutefois toutes sortes de situations, parce que l'homme, il a brûlé, on peut reconnaître qu'une partie de son visage, qu'une partie de... On peut reconnaître son pantalon, ce jour-là il portait un pantalon avec une tache de gras, de noir, de voiture, sur... Est-ce qu'on peut témoigner sur lui? C'est la question. D'accord? Il y a des grandes sougiotes dans la Gemara, comment étudier ça, c'est des sujets de halakha très compliqués, toutes sortes de situations très tristes dans l'halakha. Les shoutim, les responsables des poskim parlent longuement de toutes sortes de situations, à partir de quand peut-on permettre ou pas une femme. Comprenez la complexité de la scène, quoi. D'un côté, la pauvre, la femme, ça fait déjà 12 ans qu'elle attend, 14 ans, 16. D'un autre côté, on n'a pas les kelim nécessaires. Il faut savoir que, en guise d'introduction, quoi, il y avait une histoire. Je vais essayer d'exercer pour apporter plus dans les détails, mais en tout cas, il y avait une histoire phénoménale avec Rabbi Yeshiv, où il y avait, pendant la guerre de Kippour, si je ne me trompe pas, où il y avait eu, on était certain qu'il y avait une personne qui était morte, et Rabbi Yeshiv, il avait dit que selon la halakha, il n'était pas mort. Et il y avait ensuite, je ne sais plus, beaucoup plus tard, un échange de prisonniers, et d'un coup, on a trouvé qu'en fait, il était réellement vivant, il avait été soigné. Oui, vous imaginez bien, donc... On a des règles selon l'halakha, à partir de quand on se fonde, très bien, on établit, ça ne suffit pas d'être sûr à 80% qu'il est mort, il faut des gdarim, il faut des définitions halakhiques qui nous permettent les gens. Là, on quitte maintenant le sujet, si je retrouve l'histoire, je vous promets que je vous la raconterai, Bezrat Hashem, peut-être à l'occasion du signe de Yevamot, où on trouvera quand le faire. En tout cas, je traduis pour le moment l'introduction, à partir de quand peut-on témoigner, En Meidin, Ela Al Partsouf Panim Imachotem. On ne peut témoigner que si on voit le visage avec le nez. Même s'il y a des signes distinctifs dans son corps ou dans ses objets, sur ses vêtements. Soit la Mishnah me dit, si tu veux témoigner sur quelqu'un qui est mort, tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas témoigner sur son corps, j'ai vu, c'était le plus gros. Il était très gros comme lui. Ça ne marche pas. Il avait des poils blancs comme lui, il avait des... Ce que vous voulez, ça ne marche pas. Il faut nécessairement témoigner, voir son visage, le front, les pommettes et le nez. C'est ce que la Mishnah me dit. Est-ce qu'il faut voir les yeux et la bouche? Alors là, c'est précisé dans le Tosot Yonkov, il nous rapporte que non. Pas la peine de voir les yeux et la bouche, c'est-à-dire même si on crevait les yeux. On n'a pas pu voir ses yeux. Il avait les yeux fermés, peu importe, mais on a vu qu'en tout cas, on a reconnu toute cette partie du visage jusqu'à sous le nez, alors on peut témoigner. Par contre, si on voit son visage, avec tout le reste du visage, mais on ne reconnaît pas, il n'y a plus son nez, ils ont coupé le nez avant de le tuer, on ne peut plus le reconnaître, on n'est pas sûr que c'est lui. On ne pourra pas témoigner que c'est réellement lui, peut-être c'est quelqu'un d'autre. C'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'on connaît une personne. C'est le sujet de la mission, en fait. D'accord? Maintenant, même s'il y a des signes dans son corps, ça veut dire que quoi? On a vu qu'il était gros comme lui, il avait... mais malgré tout, le Tosotium rapporte, s'il avait des signes très, très singuliers, par exemple, il lui manquait un doigt, on a reconnu sa main bizarre avec son doigt coupé. D'accord? Il y a toutes sortes de situations, d'accord? C'était une tâche naturelle, est-ce que oui, est-ce que non? La Gemara nous rapporte que des verrues, par exemple, ça ne fait pas preuve, parce que des verrues, ça peut naître, ça peut partir, même après la mort, ça peut encore pousser. Donc là, ça ne peut plus faire office de preuve que c'était réellement lui. Genre, si j'ai reconnu sa main avec son gros poireau sur sa main, ça ne suffit pas. Ouais, imaginez, voilà, d'accord. Maintenant, on continue. En meidinela ad shetetse nafsho. On ne peut témoigner sur une personne que s'il est réellement mort. Mais tant qu'il n'était pas encore mort, qu'il respirait, on ne peut pas témoigner. Même mieux que ça, la flou Raoum et Gouyad, même si on a vu qu'ils l'ont tranché, on a vu qu'ils étaient en train de lui trancher la tête. On a vu le couteau rentrer dans sa gorge. On n'a pas vu qu'il est mort encore. Figurez-vous qu'en réalité, le couteau, s'il était Melouban, alors je ne sais pas c'est quoi un couteau Melouban, ça veut dire qu'il était chaud, apparemment, je suppose que c'est ce que dire, c'est dans le sens de l'Iboun. Que maintenant il était chaud, alors c'est possible que quand on va retirer le couteau, qu'il ne va pas forcément mourir,
Si toutefois on ne bouge plus, ça va se ressouder. Donc du coup, on ne pourra plus témoigner. Et de même aussi, s'il était Tsalouv, on l'a vu qu'il a été pendu. Il était en train de... D'accord, il était pendu. Ou encore, on a vu une bête féroce qui est en train de le dévorer. Il est tombé dans la fosse aux lions. Les lions, ils ont commencé à lui bouffer les pieds. Mais tant que, selon la halakha, on n'a pas encore vu qu'ils ont commencé à atteindre un membre sur lequel il va certainement mourir, et il y a des signes. Ne vous pardonnez pas, j'ai mis Schneider par quelques cas, par exemple. Bien évidemment, s'ils ont commencé à lui prendre, à lui manger sur son corps, sur son cœur, peu importe. Mais pour le moment, imaginez qu'ils ont juste vu qu'il y avait deux lions qui ont commencé à lui bouffer les pieds. Eh ben non, on ne peut pas témoigner. Il va falloir faire le bol. De même, En Meidin Elat Shlosha Yamim, on ne peut témoigner sur une personne que si on est dans les trois premiers jours de sa mort. Parce que si c'est après, il commence à pourrir, à se désintégrer, à se défigurer, on ne peut plus le reconnaître, même si tu es persuadé que c'est lui, c'est peut-être plus lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui, en se défigurant, il a commencé à prendre la même forme que lui. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Mais sur ça, on a Rabbi Yehuda ben Bava, Omer, Rabbi Yehuda ben Bava qui nous dit non, il n'y a pas de règle. Parce que l'okol adam, pas tous les hommes, de l'okol amakom, mais pas tous les endroits, de l'okol achot, et pas toutes les heures, chavine, pas tous les moments et les personnes sont équivalentes. Des fois, il fait très chaud, le corps il peut pourrir en une journée, des fois, il fait froid, et puis il peut, pour après une semaine, être reconnaissable encore une fois. Donc, du coup, tu ne peux pas me fixer de généralité, et à chaque fois, il faudra vérifier. À notre époque, en général, de toute façon, je suppose, je ne connais pas dans la rara comment c'est reconnu, mais j'imagine que le zioui, enfin, comment tu dis, la reconnaissance par les génétiques, je pense que ça fait office de très grandes preuves. Je n'ai pas vu dans les chiffres de la rara moderne, mais j'imagine que c'est quelque chose qui est. Ça va rentrer dans le cadre de ce qui était précisé en fait, en gros, ce qu'on appelait le Simon Mouvak, un signe super distinctif. Si on prouve que chacun, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes chromosomes, ou je ne sais pas, quand ils vérifient l'ADN, comment est-ce qu'ils vérifient exactement, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils vérifient, alors dans ce cas-là, ça fera preuve de Simon Mouvak, effectivement. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, vous savez.